Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, la suite de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Donc là, on va enchaîner sur le prochain match de l'OM. J'ai mis l'équipe 2, enfin l'équipe 2, l'équipe des joueurs qui jouent pas très souvent. Donc là, on affronte le Racing Club de Lens, les Sang et Or qui sont revenus en Ligue 1 donc, durant cette saison-là, la saison dernière. Ou je crois que c'est la saison d'avant, je sais plus. Puis je m'en fous. Donc voilà, enfin, j'ai mis Bamba Dieng titulaire. Enfin, j'ai mis les joueurs qui jouaient pas souvent. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc on est toujours en champion. Il ne pleut Salut à pas. tous, le spectacle s'annonce passionnant ici au stade Vélodrome. Encore commentaire. Stade Vélodrome. Un stade magnifique. Henri Matou, présent. Assure dans quelques instants un match de Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, match de Ligue 1. On est premier au classement toujours. J'espère qu'on va avoir un match plein de rebondissements. On n'est pas embêté, donc ouais. La meilleure attaque. Ouais, on a la meilleure attaque hein, du championnat. Ainsi que l'une des meilleures défenses ex aequo avec une autre équipe. Je sais plus laquelle c'est. Ah, on va regarder les compos. Les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille, les voici. Donc Blanco au cage. Luan Perez, Balerdi, Bailly, Kabouré. Unai, Veretout, Valentin Rongier, Harit, Dieng et Doku en attaque. Voilà, bon, c'est toujours la même composition, il y a rien qui change. Pourquoi changer une formule qui fonctionne? Je ne vois pas trop l'intérêt de la changer. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur. Allez, montre-moi le Racing Club de Lens. Ouais, c'était pas du tout la même composition qu'il y avait là. Récupération avec un 5-3-2. Fofana, Kakuta, Zimanski, Kalimuendo, Lince, Linson, je sais pas comment on le dit, Linson, Donc bon, je pense que eux ils sont venus pour jouer au foot, hein. Ils sont pas venus pour jouer derrière. On va voir ça durant le match. Ils vont peut-être nous faire un pressing haut, comme je l'ai vécu contre la Lazio, la Chom, en Europa League. C'était vraiment un pressing costaud que j'avais subi, je me rappelle. C'était incroyable, c'est la première fois que je subissais un tel pressing. Mais on avait réussi à s'en sortir, hein, tant bien que mal. C'était assez compliqué quand même. Allez, pour le moment, ils ont la balle, les Lensois, on va pas se jeter bêtement. Voilà, bon, ça c'est perdu. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui laisse jouer. On a pas de carton jaune, l'arbitre. C'est moi qui ai fait faute là? J'avais plus bailli. Ah mais il remontre même pas. Il s'est passé quoi en fait? Ok, pourquoi pas. Oula, ils sont dangereux, qu'est-ce qui se passe? Ah bah Doku est parti. Allez, la première occasion. Oh bah il y a faute. Ouais. Il repousse, ça joue. Oh, carton rouge. Très bon coup franc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça méritait pas un carton rouge, un ça si. Carton rouge qui peut tout changer dans ce match. Il lui a tiré le maillot. Et ensuite, il faudra jouer en infériorité numérique. Ok, donc voilà. Bon, Lens apparemment prenne un carton rouge sur une contre-attaque dont pas du tout construite, hein, parce que j'ai récupéré la balle sur l'adversaire. Ils ont fait n'importe quoi, très sincèrement. Alors c'est qui? J'ai Veretout. Qui c'est qui peut potentiellement bien frapper ce coup franc? J'ai que Veretout. On a que Veretout, donc on garde Veretout. On va tenter. Ah, c'est trop sur le goal. Dommage. La frappe était cadrée, certes, mais pas compliqué à appréhender. Voilà, ballon tranquille. On récupère le ballon. On va essayer de jouer tranquillement. Ah oh ouais. Ah oui, ça s'est bien joué. Valentin Rongier. Oula. J'ai l'impression que le match il est bugué en fait. Les joueurs ils font des choses bizarres. Un duel pour la récupération du ballon. Ouais, non, ça c'était un peu compliqué. Allez, Fofana qui a la balle. Oh, mon joueur il a touché. Et tu bouges. L'arbitre préfère laisser l'avantage. Ah, il a bougé. Et en soi, à l'attaque.
Ouais, il y a des options dans la surface. Ça va, c'est pour eux. Voilà, c'est pour nous. On la récupère. Allez, c'est un peu compliqué quand même. Trouver des espaces. Allez, Valentin Rongier. Alors, on va écarter là-bas sur Luan Perez qui est monté. Luan Perez qui est monté aux avant-postes. Ah, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. C'était pourtant bien donné. Ouh, attention. La contre-attaque lensoise là. Pour le moment, ils construisent bien. On se revenait en arrière. Ça a permis à mes joueurs de revenir se placer. Allez, il est passé. Ça va être dangereux. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est rendu à l'adversaire. Qu'est-ce que tu fais? Il était perdu, le mec. Aminarit. Vertu. Allez, on va essayer de construire. Ah, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Ça manque un tout petit peu de présence. Bon, après, en même temps... Allez, là, il y a quelque chose à faire dans l'axe. Oh, dommage. Ça passe à côté. C'est dommage. Toujours 0-0, 12e minute de jeu. Bon. Après, bon, sur le terrain, j'ai des joueurs qui ne jouent pas très souvent. Donc, bon, c'était prévisible que ce soit un peu en dents de scie. Oula, il a failli la perdre. Il faut trouver une option disponible. Attention à la frappe. Ouh. Oh oui, deuxième poteau. Oh. Un mauvais dégagement là, attention. Oh là là. Oh la faute. Incroyable. Ouh, j'ai failli la prendre. Les Marseillais à l'attaque. Ah, il est hors jeu. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, de la part du défenseur. J'ai l'impression que Rongier, il n'est pas dans son match là. Il perd tous ses ballons depuis tout à l'heure. Bon, il est bien pris aussi, Rongier, là, de ce que je vois. Fofana. Oh, j'ai failli la prendre. Ouais, belle série de passes là. On est en. Allez, de on se calme. Avant de piquer. Le ballon qui passe d'une équipe Bamba à l'autre. Jeng. Vertu. Ah, bien joué ça avec Kabouré qui est monté. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Valentin Rongier. Ouais, il perd tous ses ballons, c'est incroyable. Intervention décisive du défenseur sur cette action. Ouais, il est passé. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Oh non! Il remporte son duel. Tant pis, c'est pas grave. La passe est coupée, bien défendue. Allez. Attention, peut-être la petite contre-attaque. On gagne du terrain. Allez, il y a le premier. C'est pas possible. Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Incroyable. Ah, il est bien tiré. Pour le moment, ça peut pas passer. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Ah, ça va finir par passer à un moment donné. Ah, bien joué. Je crois que c'était Kabouré. Allez, Doku. Attention, il peut centrer là. Oh, il n'y a rien qui passe. Il y a toujours un pied. Il y a toujours quelque chose qui gêne. Pour le moment, on est bien pris derrière. Enfin, il défend très très bien les Lensois. C'est bien donné ça. Avec Kalimundo qui est trouvé dans la profondeur. Ce qui va me casser les coucougnettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah, c'est bon. Hop là. Relance. Enfin, très bonne défense pour le moment des deux côtés. Hein. Allez, il est parti. Jeng est parti. Ça, c'est un bon ballon. C'est pas possible. Oui, la belle intervention du gardien. C'est pas possible. À ce niveau-là, ça craint. Ah, ça passe. Ah, bien joué, Kabouré. Allez, on va écarter. Aminarit. Allez, Vasdi Nounani. Ouh là là. Failli la perdre. Vertu. Ça joue bien côté marseillais. Bah, ça dort un peu debout aussi là. Ouais, allez. Le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Oh, c'est passé. Allez, l'occasion de passer devant. Eh ben, il était temps. Et l'OM qui marque. But pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, devant, on sent que c'est compliqué. Enfin, les joueurs hésitent à se placer, les placements ne sont pas bons. Dos au but, la frappe en pivot. C'est magnifique, hein. Faut la mettre. Enfin, un but à la 28ème, hein, quand même, à la 28ème minute de jeu. Et ça fait donc 1-0. Je crois que Dieng il en est à son 4ème but en championnat. Après, il joue pas souvent, donc c'est déjà pas mal, quoi. Plante, il met des buts. Il fait le taf quoi, devant Dieng quand je le mets. Par contre, on sent que c'est plus compliqué derrière, au milieu de terrain. Pourquoi le jeu ne voit pas le bon joueur? Il est bien placé, il peut centrer. Allez, ouais, tu dégages. Très, très beau geste. On n'a pas le temps, frère, on n'a pas le temps. Grimpe, ouais, ne grimpe pas. Bah. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Allez, l'autre, il est hors jeu là-bas. Fofana. Oh, il est sérieux, il est devant Balerdi. Oh, et on n'en a pas fini avec eux. On n'en a pas fini avec eux. Ils étaient en infériorité numérique, on les croyait morts. Et en plus, c'est ça, ils sont en infériorité numérique. Allez, un partout. Bon, tout est à refaire. On va revoir ce but. Faut faire vite, hein, parce que si ça se trouve, on va en avoir un autre juste derrière. C'est partout, un peu un rigolo, Hervé Matou. Ouais, non, c'est. Ben, comme contre Rennes, en fait. Hein, j'avais pris un but. Même deux, je sais plus, en fait. Ouais, pas vraiment de solution. Donc, on va essayer de construire tranquillement. Non, ah, c'était pas là que je visais. Mais c'est pas grave. Voilà, on récupère la balle. Jouer avec Ruben Blanco. Valentin Rogier. Ah là, il y a des trous. Si c'était des trous. En profondeur. Elle est le deuxième. Oh non, c'est une blague. C'est incroyable. Toutes ces occasions ratées, ça, on va le payer, c'est sûr. Ah, la porte qui est ouverte. Ah, il joue bien la baballe, hein, ces enfoirés là. Et Lensois à l'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu. Il faut bien circuler le ballon. Ils sont patients. Ah ouais, bien défendu. Allez, faut faire quelque chose. Il faut réagir. Mais arrête. Mais Doku, il se fait pas reprendre comme ça. Oula. Récupération au bon endroit. Voilà. Oh, un but important qui leur permet de mener dans ce match. Contre-attaque qui amène ce but. Ouais, bon, enfin, ce sont des buts, certes, mais c'est pas, il n'y a pas d'action construite, c'est toujours des récupérations de balles. On dirait qu'ils sont dopés. J'ai l'impression que les équipes adverses, quand ils perdent un joueur qui joue à 10, ils sont dopés, j'ai l'impression. Fofana. Ok, il est passé. Dégage. Pourquoi le jeu me bloque? C'est pas très étonnant de constater que c'est l'équipe visiteuse qui a la possession. Ouais, le problème, c'est que pour l'instant, cette équipe ne trouve pas la solution. Allez. Elle aura du mal à revenir au score. Ouais, il y a trop de. Plus de risques. Oh, c'est pas ce joueur-là que je visais. Il a dégagé. Cherche des solutions là. Allez au deuxième poteau. Oh là là. Ouais, tranquillement, pas de problème sur ce centre. Le gardien il s'appelle Wouh. Peut-être un croisement avec un chien, peut-être, je sais pas. Aminarit. Oh oui, ça s'est bien joué. On va lui remettre. Ah, ouais, mais forcément, il a suivi. Ah, c'est très, très, très compliqué, hein. Fofana. Ouais. Allez, Doku, il va le beaucoup plus vite que lui là. Son panneau. Une minute de temps additionnel seulement. Allez, il y a un bon coup à jouer là. Il n'est pas tout seul. Voilà, bien joué. Trop vite.
la fin de la première période. Allez, c'est la mi-temps, 2 buts à 1 contre le Racing Club de Reims qui sont réduits à 10. C'est un peu scandaleux ce qu'on voit là. Un peu beaucoup scandaleux, on s'en fout du score des autres matchs. On verra après à la fin du match ce qui s'est passé sur les autres Marseille pelouses. Viré en tête à la pause, on va voir maintenant quel sera le scénario de la seconde période. Ah, les mecs ils trottinent derrière, tranquille. Hein. Ils sont pas pressés par la vie, ça trottine. Berthoud. Valentin Rogier. Oh ouais, ça s'est bien joué. Ouais, voilà une belle action. Ouais, oh l'arrêt de vous. Magnifique. Il m'a fait non. Incroyable. Ah, il est bien parti ce corner. Djeng, il a failli la prendre. Ouf. Un ballon qui sort en touche. Allez, touche pour les Lensois. C'est une blague. Bonne phase de construction. En espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Le bon centre dans la surface. Ça va, le gardien a suivi. Heureusement d'ailleurs. Et le gardien qui mais c'est pas lui que je visais. Pourquoi il y a personne sur le côté là-bas? Ça me saoule ça. Tu dégages. Allez, on s'en sort bien. Oh, magnifique. On aura entendu beaucoup de rumeurs au sujet de ce transfert. La nouvelle est désormais officielle. Le transfert aura bien lieu. Allez, il y a un trou. Oh, le but peut-être. Oh, c'est pas possible, ce gardien me saoule. Quel arrêt génial. Le réflexe à bout portant. C'est pas possible, ce gardien. Bon, après, c'était pas... La frappe était pas bien placée. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Corner qui est dégagé. Allez, il est plus hors jeu, Veretout. Allez, ça joue vers l'avant. Valentin Rongier. On cherche la faille dans la défense adverse. Les commentaires les plus compliqués sur 20. Allez, Jean qui obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire le ballon. Allez, on va faire tourner. Putain, défendu, c'est pas vrai. Il a coupé la ligne de passe. Ah, je me languis de faire des changements parce que... C'est très compliqué. Allez, la balle est récupérée. Voilà, avec Rongier. Ils sont tous derrière. Allez, Unai. Jordan Veretout. Le gardien qui repousse. C'est pas possible. Oulala. Ils sont tous derrière. S'afficher sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie. Une rencontre qui devrait être super intéressante. Vous allez être gâtés, les amis. Alors que c'est bien vrai, oh là 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 là. La passe n'était pas très 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 bien donnée, on va dire. Fofana. Ok. Ouais, bien joué, il a fait l'effort là-dessus. Ouais, bien donné ce ballon. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ouf. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, tu bouges. Il n'y a pas pénalty. Mais c'est pas possible. Ça presse haut. Attention, non, là, je suis pas d'accord, ballon. Le jeu. Allez, retrait. Oh là là, c'est un corner. Un corner pour égaliser peut-être. C'est pas possible. Mes joueurs étaient devant à chaque fois, ils se font reprendre derrière. Ce corner. Ah, ça va. C'est une blague. On sent que la tension, elle monte là. Là, je dois être à 13 de tension. La touche. Ah, c'est un match ouvert, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Et pourtant. Bon, après, ils jouent tous derrière et ils jouent en contre. Oh, il fallait le faire ce sauvetage. Ouais, c'est bien arrivé. C'est dans l'esprit en tout cas. On n'a pas profité, on revient à la faute. Ah, moi je me jette sur le ballon comme un mort de faim. J'ai pas le time.
Allez, on va faire revenir Valentin Rongier. Qui prouve qu'ils peuvent encore. Ah, mais c'est pas possible! Je peux pas péter. Bon, heureusement qu'il me la rend derrière là. Attention parfaite, hein, bonne anticipation. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Derrière, il continue là d'avancer. Oui, attention. Ah ouais, le jeu était là, mais bon, il y a tout le monde au milieu, forcément. On a c'est un adversaire qui récupère cette passe. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Ah, il faut tenter quelque chose. Oh, magnifique. Oh, le but. Eh ben, c'était bien compliqué là, ce bordel. 3 buts à 1. Sur ralenti, 3-1. Franchement, transversal avant de rentrer dans la cage. Pour le moment, la complication, je l'ai toujours trouvée contre des équipes qui perdaient un joueur à cause d'un carton rouge. C'est un peu bizarre quand et même. Le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Fofana. Alors je sais pas où il veut aller lui, mais il y va. Le centre en retrait. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Alors on va la donner à Luan Perez qui est bien sur son côté cette fois-ci. What? Dans le camp de l'adversaire. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que cette passe de merde? L'ouverture. Va t'acheter un pied. Tu bouges. Ouais, il perd ce ballon. Voilà. Ah ben ouais, forcément, il est repassé devant. Enfin, il est repassé devant. Il avait compris. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Allez, grimpe, Onani, grimpe. Allez, du coup, il est parti. Mais non, mais c'est une blague. On va faire des changements parce que là, ce que je viens de voir, c'est horrible. Le mec, il est tout seul devant les cages. Il a mis au ras du poteau. C'est nul. Ah putain, qu'il est nul. Bon, en tout cas, il nous a sauvé le truc. Alors, par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Tu dégages. Voilà. Très sincèrement, c'est pas que je t'aime pas, mais tu dégages, gros. Voilà. Terrible de manquer cette occasion. Ah ouais, j'avoue. À deux doigts du triplé. Ah, c'est un signe, hein. Il sort quand il loupe cette occasion. Le mec, il est tout seul devant les cages. Il n'y a plus de goal. Il la met à côté. Allez, on a fait rentrer Milik à la place de Jeng. Under à la place de Doku. Et Malinowski à la place de Asdin Unai. Allez, voilà, c'est ça qu'il fallait faire depuis tout à l'heure. Et il vient chipper le ballon. Oh, ça passe. C'est pas possible. Ah ben voilà. Reprise magnifique. Voilà. Magnifique but. Tu fais trois changements, il y a tout qui a changé là. Même si le gardien, il a encore arrêté. Hein, alors on voit sur il s'est détendu de tout son cette corps là, il a fait. Ratée, non. On va dire, du gardien. Et après j'arrive et je dis. Si. J'essaie de la mettre par-dessus le goal, mais c'est pas passé. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Eh ben, et c'était très compliqué, très compliqué. Allez, tu bouges. Ah non, il est passé. Ok. Il est passé. Alors que je lui ai mis le pied, mon tacle, tout ce que tu veux, j'ai mis tout mon corps. Même mon zizi, il est quand même passé. Ah ouais, une heure, il est parti. Ah non. Incroyable. Allez, Roger, tu es devant. Ouais, c'est Saïd. Il est hors jeu, l'autre, il est hors jeu, ton copain, il est hors jeu. Ok. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Une passoire. Cette défense est une passoire humaine. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ah, oh, bien joué, ouais, Cabouret. Il y en a un perdu. Qui fait son match là pour le moment, c'est Cabouret.
Allez, Under, il est parti. Under, il est parti sur le côté. Mais il n'y a pas d'espace. Beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est pas beaucoup de monde. Le ciseau. Et voilà. Oui, le ciseau. Et c'est magnifique. Arnaud redemande. Et c'est qui encore? Malinovski. Le match précédent, il a marqué sur une retournée. Et là, il inscrit un but sur un ciseau. On voit les images de la contre-attaque. Après, je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée. A commencer par le gardien. Incroyable. Le score, vous le voyez. Désormais. Voilà, on va se calmer. Ils ont un joueur en moins. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça depuis le début, en fait. Mais c'est pas grave. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. La passe est interceptée. Ah, depuis qu'il y a des joueurs qui sont sortis, c'est pas pareil, hein. Il s'infiltre, attention. Ah, mais... Bon, il m'a eu. Il m'a eu, j'ai rien à dire. Allez, ça c'est pour moi. Merci. Bonne intervention. Intervention parfaite. Un bon anticipation. Allez, Malinovski. On va faire tourner. Là-bas, il y a Harit qui est parti. Mais pourquoi j'ai visé Harit, moi? Le jeu. Mauvais dégagement, là. Attention. Dommage. J'ai qu'une seule à dire. Va te faire foutre. Ouais, c'est Saïd. Allez, Saïd qui, je sais pas ce qu'il fait. Le ballon change de camp. Ah ouais, là-bas il y a Under, il est parti tout. J'ai une ouverture. C'est quoi cette passe? Ballon incroyable. Oh ouais, sans contrôle. Oh, magnifique. Et il m'a encore arrêté cette frappe. Bon, après elle était pas très puissante, elle était surtout placée et pas assez levée cette balle. Le gardien qui fait encore non, non, tu peux pas. Ah, ça a bugué. Allez hop. Ah non, changement, pardon. Aïe aïe aïe. Il a fait rentrer Machado. Allez, est-ce que je peux changer de joueur pour frapper ce corner? Non. Bon, bon, allez. C'est pas grave, je t'en veux pas, tu bugs, y a pas de soucis. Je t'aime aussi. Allez. Pour qui se sent. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Allez, on va écarter. Ah, j'ai cru que j'allais l'avoir, mais non, je ne l'ai pas eu. Veretout s'est fait bouffer. Allez, protège bien. Lâche-la! Bon, je vais te couper en deux, tu m'as saoulé. Il avance encore. Il m'a entendu, il s'est tourné. En position idéale pour centrer. Ah, mais quelle passoire humaine, cette défense, c'est pas possible. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Allez. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Elle finalement ne donnera rien à cette contre-attaque. On dirait que je joue contre une équipe qui a plus de joueurs que moi, en fait. Essaye de trouver la faille. Et pourtant, ils ont un joueur en moins. La bonne lecture bon. Là, pour intercepter ce ballon. Allez, c'est fini. Honnêtement, ce match, il était stressant. Le début, la première mi-temps, c'était très stressant. C'était incompréhensible. Un joueur en moins, et c'est eux qui m'ont cassé les pieds. Mais bon, la victoire est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Je parle aux gens autour de moi, vous inquiétez pas, tout est normal. Parce que... Tout le monde a subi ce match avec beaucoup de tension. On était tous à 14 de tension là. Non, c'est pas vrai. Ils sont tous penchés sur leur portable. Non, il n'y avait que moi qui a stressé. Allez, deux buts de Djang, un but de Malinovski, un superbe but de Malinovski, un but de Milik. Le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Allez, l'occasion de passer devant. Mais c'était un match très compliqué. Bon alors. Bon, on va faire l'interview d'après match. Ils vont sûrement nous montrer les matchs. Voilà, alors les matchs qu'il y a eu en même temps que le mien. Donc Brest qui a perdu, j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave, merci le jeu. Je te respecte pas, tu me respectes pas, c'est de bonne guerre. Merci à vous de nous accorder alors, quelques instants après ce match. Vas-y, monsieur Crew, qu'est-ce que tu vas leur raconter comme conneries? Djang a été le héros du match. Alors, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il a loupé plein d'occasions aussi, attention. On peut pas se reposer sur les individualités, j'ai envie de mettre ça, mais bon, ça va foutre le bordel. Un match impressionnant de la barre de Djang. Non, c'est juste une bonne performance globale.
rien de plus. Après, il a mis un joli but, attention. Votre série de victoires se poursuit. Ben, tout le mérite. Je me focalise sur le succès. Sur le succès à long terme. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi. Ben, ils ont pris un carton rouge. Et j'ai trouvé plus compliqué en fait. Donc ben, c'était serré en fait. Ouais, on va mettre le mérite revient aux joueurs. Allez. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ouais, merci. Moi, je te remercie pas pour tes questions pourries, parce qu'il y avait plein d'autres questions à poser. Hein. Comme par exemple, comment se fait-il que votre équipe a galéré contre une équipe qui jouait à 10? Voilà, c'est une bonne question de journaliste, ça. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas vu le même match, donc voilà. On retourne donc en Europa League pour le prochain match où on affrontera Galatasaray, la deuxième meilleure équipe après la Lazio de ce groupe, en nous enlevant à nous, bien sûr. Mais moi j'ai envie de regarder tout autre chose. Les barrages de la Ligue 1. Voilà, la Ligue 1, parce qu'on vient de faire un match de Ligue 1 et on s'envole là. 8 matchs, 8 victoires, donc avec 8 buts encaissés. 44 buts marqués. On est plutôt tranquille quoi. On a 5 points d'avance sur le deuxième qui est l'OGC Nice maintenant. Alors Lille du coup ils sont retombés 5e, ils ont perdu je pense. Hein. Ils ont perdu donc ouais, on est poursuivi par Nice, Lyon pour le moment tout se passe bien, Paris n'est que 4e. Oh, ça se voit que c'est un jeu de foot hein, que c'est pas la réalité. Mais Paris est 4e donc avec 9 buts encaissés et 6 buts pour, c'est quand même assez pitoyable, j'ai l'impression là. ils sont nuls, voilà tout simplement. Et Lens du coup bah, ils sont retombés à la 11e place et je crois qu'ils étaient un peu plus haut dans le classement. Donc voilà maintenant. Ah oui, il y a Gomis et Valbuena qui jouent encore. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous a plu. Offre de prix pour Jeng. Ah non, c'était là. Qu'est-ce qu'ils me disent? Coach, je vous cache pas que je craignais votre envie de me remplacer. Je me sentais menacé par les nouveaux venus, ainsi que par ce que je pouvais lire dans la presse. J'attends d'excellentes performances, tiens, vas-y. Je pense que j'aurais pu faire mieux dans le dernier match, mais merci de m'avoir fait jouer. C'était prévu. Travaille plus, voilà. Et arrête de faire ta drama queen, ok? Bon, c'est la fin de cette vidéo, là c'est sûr et certain. Prenez soin de vous, restez peace, aimez-vous les uns les autres, et salut! Ciao et à la prochaine !